Bonjour tout le monde, me revoici pour le 10e épisode de mon podcast Le Bonheur au bout du fil. Donc bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes en janvier 2016, ça y est, on a passé la nouvelle année. Donc je peux vous souhaiter une excellente année 2016 qui j'espère sera pleine de bonnes choses, pleine de bonheur, de réalisation, de... Bref, je vous souhaite le meilleur et voilà. Alors, que dire? Donc, pour ma part, 2016 a commencé en termes de tricot très très douce. Après l'effervescence qu'il y a eu à la fin 2015, là en décembre, où voilà, je vous avais raconté que j'avais commencé à tricoter plusieurs projets en même temps, j'avais à un moment donné 5 projets en même temps. La folie et donc c'était chouette et tout, et puis 2016 est arrivé et là ça a été le gros, je sais pas, la grosse fatigue, l'énergie n'était plus là, c'était un moment très étrange. Mylène du podcast Folie Ordinaire en parlait justement, comme quoi le mois de janvier pour elle était un mois un peu creux. Et ben, je sais pas si c'est le cas pour moi, mais en tout cas, c'est un peu le sentiment que j'ai là depuis que 2016 a commencé. Je sais pas, est-ce que c'est... Parfois j'ai l'impression d'en avoir un peu ras-le-bol. J'avais l'impression de... qu'il y avait trop de projets, trop de tout. Quand j'avais commencé à tricoter, j'étais très très avide de découvrir, de m'informer, voilà, il y a eu les podcasts en plus, donc c'était une grande découverte, donc je me suis abonnée à tous les podcasts que je découvrais, les podcasts français en tout cas. Oui, il y avait vraiment cette espèce d'euphorie, d'effervescence. J'accumulais la laine, j'accumulais les abonnements podcasts, j'accumulais les informations. Et puis, il y avait cette frustration aussi qui s'ajoutait à tout ça, parce que quand je voyais les podcasts des filles et que je voyais tous les projets qu'elles faisaient, eh bien moi, je voyais ce que je faisais, ce qui n'était pas grand-chose, la vitesse à laquelle j'avançais, qui est plutôt lente. J'étais frustrée parce que moi aussi j'avais envie de faire mon podcast, moi aussi j'avais envie de pouvoir raconter plein de choses, pouvoir montrer plein de choses, et au final je suis obligée d'attendre qu'un certain temps passe pour avoir un minimum de contenu. Donc voilà, ça a généré de la frustration, et puis au fil de l'année je commençais aussi à me mettre un peu trop la pression. Ça a commencé aussi à générer du stress, donc voilà. Cette année 2015 est allée en termes d'émotions par rapport à tout ça. C'est allé grandissant, au point que c'est devenu un truc tellement énorme que j'ai dû me laisser manger par tout ça, je pense. Et arrivé en 2016, je me dis, en fait, j'ai envie de me poser, j'ai envie de faire les choses... à mon rythme, j'ai plus envie de me mettre la pression pour avancer rapidement les projets. Et puis cette idée de faire plein de projets en même temps, finalement, n'est pas une si bonne idée, en tout cas me concernant. Plus j'y réfléchis et plus je me dis que non, la meilleure chose à faire pour moi, c'est faire un projet à la fois, l'avancer, le terminer le plus rapidement possible et passer après à un autre projet. Et alterner petits projets, gros projets, pour ne pas être frustrée, parce que c'est vrai que enchaîner aussi des gros projets comme, je sais pas, 2-3 châles ou 2-3 pulls à la suite, c'est pas forcément plaisant, dans le sens où ce qui est gratifiant, c'est aussi de terminer des choses et de pouvoir les porter, les utiliser ou les offrir si c'était destiné à quelqu'un. Et j'ai besoin de ce sentiment de voilà, j'ai fini quelque chose et je peux l'utiliser et je peux passer à un autre projet et avancer. Voilà. Donc voilà, j'ai
J'aurais plus, je pense, le sentiment d'avancer en faisant les choses une à une, en étant bien concentré dessus, plutôt que de m'éparpiller et de faire plein de projets en même temps. Voilà. Donc, ce que je prévois, c'est de me créer un petit planning, un peu comme ce dont parlait Christelle du podcast Revenons à nos moutons, qui s'était fait un planning l'année dernière de savoir quel projet tricot elle devait faire. Et je trouve que c'est une bonne idée. En tout cas, pour moi, je pense que ça pourrait être parfait. J'ai d'ailleurs découvert l'existence du bullet journal. C'est une amie à moi qui m'a montré ça. En fait, c'est une sorte de carnet où on planifie tous ses objectifs sur l'année. Et ensuite, on planifie donc mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, toutes les petites tâches qu'on veut faire pour atteindre au final cet objectif de fin d'année. Et je trouve que c'est une idée géniale parce que ça donne une visibilité assez rapide de tout ce qu'on doit faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois et sur l'année. Et ça me correspond tout à fait parce que je suis une personne qui aime bien savoir où elle va, qui n'aime pas trop le hasard, les choses un peu trop aléatoires. J'aime bien m'organiser. Et ça, pour moi, ce serait une bonne idée. Donc, je pense que je vais commencer un bullet journal pour m'organiser en général, dans ma vie au quotidien, dans mon travail et aussi pour le tricot. Voilà. Donc, c'est un début d'année un peu mitigé pour le tricot, mais ça va mieux. J'avais simplement peur que l'envie de tricoter, de coudre me passe complètement et que une fois de plus je laisse tomber. Mais non, c'est toujours là, j'ai toujours envie. Il faut juste que je procède de manière différente, une manière qui me convient mieux. Voilà. Donc, ce sera un petit épisode, je pense, parce que vous l'aurez compris, je n'ai pas avancé sur énormément de choses depuis le dernier épisode. Et c'est pas grave. Je pense que je vais aussi un petit peu changer la manière dont j'enregistre mes épisodes. Je pense que des épisodes courts m'iront très bien. Alors j'espère que du coup vous ne serez pas trop déçus que ce soit court, mais en ayant un peu de contenu. Je peux pas espérer avoir des épisodes de 40 minutes. Et comment dire? Ou alors, il faudrait que je fasse un épisode tous les 6 mois. Voilà. Ce qui, bon, je sais pas. On verra. C'est quelque chose que je dois aussi, sur lequel je dois réfléchir aussi, tête reposée. Comment dire, mon mantra pour cette année 2016. Si vous me suivez sur Instagram, c'est vraiment ça, c'est faire les choses en conscience, ne plus me laisser déborder par mes émotions. Et donc, voilà. On se pose, on fait les choses une à une, et puis on est dans l'instant présent, sur le moment. Donc, voilà, pour moi, c'est. Oui, j'ai besoin de me poser pour ne plus avoir ce sentiment d'être complètement désorganisée, d'être débordée par tout en général dans ma vie et puis savoir quel est le chemin à prendre et prendre ce chemin tranquillement en faisant les choses petit à petit, pas à pas. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut que j'arrive à calmer cette envie toujours en moi de vouloir faire les choses vite, de vouloir tout à la fois rapidement maintenant. C'est pas possible. Il faut vraiment que je prenne sur moi pour me dire non, ça va se faire, mais petit à petit, une pierre après l'autre. Voilà. Donc, on va passer. Je n'ai pas d'objet fini, donc je vais juste vous parler d'un peu de tricot. Voilà.
Alors, pour les projets en cours, eh bien, j'ai essentiellement travaillé sur mon gilet Jones de Tinker Knits, gilet que je tricote pour mon fils aîné. Et donc, j'en suis là. J'ai séparé les devants et le dos. Donc, ça, c'est le devant gauche. Je l'ai terminé. Je suis montée jusqu'à l'épaule, normalement. J'ai mis les mailles en attente, voilà, sur un petit bout de laine. Et là, je suis actuellement en train de travailler sur le dos. Voilà. Et quand j'aurai fini, eh bien, j'attaquerai la dernière partie, c'est-à-dire le devant droit. Donc ici, c'est le petit marqueur qui vous indique où j'en étais la dernière fois que je vous ai montré le gilet. Donc comme vous pouvez le voir, ça a plutôt bien avancé. Sur le patron est vraiment nickel, il n'y a aucun problème. Et il est très beau, j'adore le tricoter, la laine est très agréable à tricoter, ça glisse bien, vraiment nickel sur les IAIA. J'ai vraiment aucun souci avec ce patron. Voilà, ça avance assez vite, je trouve. J'espère le terminer bientôt. Parce que voilà, c'est censé être un pull chaud pour cet hiver. Donc ce serait bien qu'il le porte cet hiver. Mais au pire, je pense qu'il pourra quand même continuer à le porter au printemps. Parce que bon, une fois qu'on sera au printemps, on n'aura pas des températures hyper élevées de toute façon au départ. Donc ça pourra très bien se porter encore début de printemps. Même juste le gilet qui pourrait servir de veste. Donc voilà. Alors, je ne sais pas, là, plus j'avance, plus je me dis, j'ai l'impression que c'est pas très grand. Alors, j'espère qu'au blocage, ça va se détendre un petit peu. Je prends les mesures sur mon fils, hein, évidemment, au fur et à mesure que j'avance. Mais c'est un peu mon inquiétude, j'espère que ce sera vraiment la bonne taille. On verra, mais je pense que ça devrait aller. Et au pire, j'étire au blocage. Voilà. Pour les projets en cours, c'est tout. Je n'ai pas avancé sur mon châle. Par contre, je suis allée voir ma vendeuse de laine qui m'a rectifié mon problème de nœud. Donc, elle a simplement tout défait et refait la bobine. J'avais de la chance le jour où je suis venue chez elle. Elle avait son petit bobinoir avec elle. Donc, elle m'a fait ça. Et c'est génial, voilà. Du coup, le problème est résolu, je vais pouvoir continuer. Même si je suis en train de me dire, est-ce que ce châle est vraiment fait pour moi? La dentelle, alors, le motif de dentelle se répète sur 8 rangs, mais c'est impossible pour moi de mémoriser ça. Impossible, impossible parce que non, c'est impossible, voilà. Donc, c'est laborieux pour moi, je fais plein de fautes, ça m'agace. Donc, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais le continuer ou est-ce que je vais le laisser de côté ou le laisser tomber et trouver un autre châle où il n'y aurait pas autant de dentelle ou pas de dentelle du tout. Parce qu'en fait, je pense que la dentelle, c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Même à petite dose comme ça, c'est... Et puis, je pense au blocage parce qu'il y a des petits picots. Et pour moi, c'est mortel ça. Tout tiré, picot par picot, c'est. J'avoue que ça me fait pas envie. Donc, je sais pas. Je suis en train de réfléchir à l'avenir de ce châle. Je suis en train de regarder d'autres modèles qui seraient plus simples. Et puis aussi, j'ai envie d'un châle très enveloppant, mais aussi un peu épais, un peu doudou, moelleux. Celui-ci est un peu fin, je pense qu'il serait idéal pour la mi-saison. Mais moi, ce que je voulais, c'était quelque chose de vraiment chaud, couvrant, moelleux, rond. Et ce châle n'est pas vraiment, ne correspond pas vraiment à ces critères. Donc on verra.
Sinon, ben voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Les chaussettes sont toujours au point où elles en sont. Mon petit carré pour ma couverture a un peu avancé, mais pas tellement. C'est juste la bordure, donc pas grand-chose à montrer. Donc voilà, pour les objets, les projets en cours, c'est tout. Voilà, donc ben voilà, comme je vous disais, c'est un tout petit épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je ne vous l'ai pas dit au départ, mais en tout cas, merci d'être présent à chaque épisode, de revenir. Merci à ceux qui arrivent ici pour la première fois. Maintenant, vous êtes plus de 200 à me suivre sur YouTube, donc ça me touche énormément. Donc vraiment, merci, merci beaucoup. Je me pose toujours la question et je pense que je continuerai à me la poser souvent de l'intérêt. Enfin, l'intérêt qu'il y a à écouter et regarder mes podcasts parce que il n'y a pas forcément beaucoup de contenu, j'avance pas très vite, donc parfois j'hésite à tourner un nouvel épisode parce que j'ai peur de pas avoir grand-chose à vous dire. Mais bon, ça me fait plaisir de papoter avec vous, de partager ma passion autour des loisirs créatifs. Donc, bon, j'arrêterai peut-être pas, je sais pas, on verra. Mais il se peut que je revienne dans peut-être un long moment, je ne sais pas du tout. C'est franchement, mais voilà, comme je disais au début, je me mets plus la pression. Et puis, si vous êtes toujours fidèle au poste, même dans 3 mois, même dans 6 mois, pour le prochain épisode, eh bien écoutez, c'est très gentil, merci beaucoup. Voilà, donc. Je vous dis à très bientôt, encore bonne année et plein de bisous!